Cette vocation est venue assez tôt puisque j'ai pratiqué à l'école primaire. Et puis, il faut dire aussi que c'était assez marrant parce que comme je viens de Sèvres, c'est une ville réputée pour justement la céramique aussi, la porcelaine avec la manufacture de Sèvres. Donc j'ai souvent mis un pied là-bas, j'aimais bien ce lieu déjà. Et puis ensuite, j'ai continué pendant mes études aux Beaux-Arts à Toulouse, à Beaux-Arts à Limoges, et j'en ai fait mon activité maintenant avec cet atelier, mon premier atelier. Pour ces contenants, j'utilise un grès noir qui est chamotté. La chamotte, c'est des grains d'argile qui sont déjà cuits, concassés et rajoutés dans l'argile quand elle est encore molle. Ce qui permet ensuite de pouvoir faire des effets de texture et de gratter avec certains outils pour faire apparaître les chamottes. L'inconvénient, en même temps l'intérêt de cette argile, de ce grès, c'est cette chamotte, donc c'est pas vraiment possible de le travailler autour. Il vaut mieux utiliser une girelle comme ça et de pouvoir le faire tourner au fur et à mesure. Ça s'apparente plus au modelage finalement. Je me suis intéressée à des formes assez simples, ovales. Pour vraiment jouer avec la matière et le noir, la profondeur du noir qu'on peut avoir avec ces petits granulés blancs. C'est des contenants à usage libre, c'est-à-dire que je laisse vraiment la possibilité à celui qui est dans son quotidien de pouvoir l'utiliser comme il le veut. Il y a aussi une part de sculpture, oui. Mais ça vient dans d'autres projets. Ça, c'est plus vraiment ma part art, objet d'art.